Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous en direct du Dôme pour la Fête de la Science 2020. J'ai le plaisir d'être accompagné ce midi par Laurent Châtre, qui est chargé de recherche au laboratoire d'imagerie et stratégie thérapeutique des pathologies cérébrales et tumorales au Sisséron. Bonjour Laurent. Vous allez donc nous parler dans quelques instants de mystérieuses organites qui se cachent au cœur de nos cellules, les mitochondries. Mais juste avant cela, je vais juste rappeler à celles et ceux qui nous suivent en ligne qu'ils peuvent commenter et poser leurs questions directement sur les réseaux sociaux grâce aux espaces de chat disponibles sur YouTube et sur Facebook. Nous prendrons quelques minutes tout au long de cette rencontre pour relayer vos questions. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Il ne reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne heure de découverte en compagnie de notre intervenant. Laurent, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et probablement bon appétit. Donc, je m'appelle Laurent Châtre, je suis chargé de recherche au CNRS et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui, en fait, à quoi sert votre appétit, votre alimentation, votre énergie, votre stress et un certain nombre de maladies. Alors, pour ma part, je suis chercheur au CNRS. Depuis septembre 2018, je suis dans un laboratoire spécialisé dans le cerveau qui s'appelle ISTCT, hébergé au Sisséron, qui est une plateforme d'imagerie biomédicale à Caen. Nous travaillons actuellement sur toutes les pathologies liées au cerveau et en particulier les tumeurs cérébrales et les ischémies, c'est-à-dire les AVC. Pour ma part, je suis spécialiste du stress, des mitochondries et du métabolisme. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que les mitochondries. Vous allez voir, vous les connaissez toutes très bien. Alors, quand j'ai commencé à être étudiant, en fait, je ne suis pas arrivé directement aux mitochondries. J'ai d'abord travaillé sur les plantes, les levures, les souris, les rats, les humains. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup de choses. Et avant d'arriver ici à Caen, j'ai travaillé 11 ans à l'Institut Pasteur, en particulier sur le vieillissement normal et accéléré, sur les cancers, sur les cellules souches, sur une maladie de la grossesse qui s'appelle la prééclampsie, sur les antioxydants, sur des bactéries qui donnent des cancers gastriques qui s'appellent les Helicobacter pylori et sur les sucs septiques. Et je fais également beaucoup d'interventions de vulgarisation scientifique pour justement expliquer et faire comprendre comment fonctionne la science. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est les mitochondries. Et je vous ai mis un diaporama qui vous dit « Attention canicule ». Alors évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas de canicule, hein, mais il y en a eu il n'y a pas très longtemps. Il y a « Attention dérèglement climatique »,« Attention surchauffe du corps »,« Mangez bien »,« Buvez bien »,« Méfiez-vous du soleil ». C'est en fait parce que tout ça, c'est lié à vos mitochondries. Le dérèglement climatique et les alertes de chaleur ont un impact directement sur votre santé à cause des mitochondries. Pourquoi ? En fait, le principe, il est simple. Il faut considérer qu'on est une grande maison et qu'à l'intérieur, on a des radiateurs. Et les radiateurs, eh bien, il y a quelqu'un qui modifie le thermostat. Je vais vous expliquer qui modifie ce thermostat. On peut monter ou descendre la température. On appelle ça la thermorégulation. Chez vous, vous le faites, dans votre corps, il y a le cerveau qui le fait. Et la thermorégulation, ça passe à la fois par la production d'énergie. Donc, vous avez dans votre corps un fournisseur d'énergie, alors c'est pas EDF, c'est ce qu'on appelle les mitochondries. Et puis vous avez une perte d'énergie, par exemple votre corps est mal isolé, non votre corps n'est pas mal isolé, mais on a des pertes d'énergie qui se produisent dans le corps. Alors il faut savoir que la température du corps en 1851 elle était estimée entre 37 et 37,5. En 2020, actuellement, elle est estimée à 36,6 degrés. Et oui, en un peu plus de 100 ans, on a perdu 1 degré de notre corps. Je vais vous dire, en tant que biologiste, c'est super. Vous allez me dire, ah bon, pourquoi? Je vais me refroidir. Non. En fait, la température de votre corps est liée à votre santé et surtout liée à votre système immunitaire. Moins on sollicite notre système immunitaire, par exemple, par rapport à des infections, moins on a besoin d'énergie et donc notre température du corps baisse. Alors, il faut savoir que cette température du corps est aussi liée à nos émotions. Il y a eu une étude très sérieuse en 2014 dans une revue de l'Académie des sciences américaines qui a montré que, en fait, quand on posait la question aux gens quelles sont les sensations de chaleur en fonction de vos émotions, les sensations de chaleur arrivaient directement là où il y avait le plus de production d'énergie. Quand vous êtes en colère, vous avez un peu le palpitant au cœur, vous avez votre cerveau qui est en ébullition, et bien c'est là que vous avez le plus de production d'énergie. Quand vous êtes heureux, vous vous sentez très actif, très en forme de tout votre corps, et bien vous avez de la chaleur dans tout votre corps. Et puis quand vous vous sentez déprimé, vous vous sentez un peu refroidi, et bien effectivement, votre corps ne se refroidit pas, mais vous avez une petite baisse de température qui est liée à ces
problème d'émotion. Alors, il faut savoir que en termes de perte d'énergie, vous devez savoir comment on perd notre énergie tous les jours. Un, c'est la conduction, c'est-à-dire on marche, on touche le sol, on perd de l'énergie par conduction. Par convection, avec l'air qui nous entoure, par évaporation, donc on perd de la chaleur à cause de notre sueur, c'est normal. Et puis par rayonnement, vous devez savoir que, et ça c'est connu depuis plus de 100 ans, tout corps qui existe sur cette planète, objet qui est supérieur à une température de moins 273,15 degrés Celsius, ça correspond à 0 degré Kelvin, émet ce qu'on appelle des infrarouges. Donc notre corps il est à 36-37 degrés, on émet des infrarouges naturellement. Donc on émet un rayonnement. Et ce rayonnement infrarouge, en fait, nous fait perdre de l'énergie. Et vous connaissez ce rayonnement infrarouge parce que quand vous achetez un thermomètre détection infrarouge, eh bien, il détecte le rayonnement infrarouge lié à votre déperdition d'énergie. Et c'est comme ça qu'on calcule la température de votre corps. Il faut savoir que cette température du corps, elle est contrôlée, thermocontrôlée par le cerveau et en particulier deux structures dans votre corps qu'on appelle deux structures dans le cerveau qu'on appelle l'hypothalamus et l'hypophyse. Ce sont deux petites glandes dans votre cerveau qui fabriquent des hormones normalement. Alors, elle fabrique des hormones liées au stress, liées à l'anxiété, liées à l'alimentation, mais aussi liées à la température du corps. On appelle ça des neurohormones. Ces neurohormones vont traverser avec votre sang dans tous vos organes et vont demander à vos organes de produire plus ou moins de l'énergie. Il faut savoir que, bien sûr, votre cerveau, pour vous donner une idée, votre cerveau, c'est 2% de votre poids et pourtant, il consomme 20% de votre oxygène tous les jours et il consomme 20% de votre énergie tous les jours dans votre corps. C'est un gros consommateur d'énergie et un gros consommateur d'oxygène pour contrôler justement la température de votre corps. Et d'autres fonctions comme la motricité, la réflexion, le langage, la vie en somme. Alors, il faut savoir que le point central pour cette thermorégulation, c'est votre alimentation. En fonction de ce que vous allez manger, votre corps ne va pas produire la même énergie, la même température. Et ça, c'est très important, puisque si vous mangez trop gras, trop sucré, trop salé, vous perturbez votre température du corps et vous perturbez votre cerveau et vous perturbez votre système immunitaire. Et si vous ne sortez pas, vous êtes sédentaire sur votre canapé, là aussi, vous n'allez pas assez respirer et vous allez perturber votre cerveau pour la production d'énergie. Pourquoi ? Parce que dans toutes les cellules de votre corps, y compris dans votre cerveau, il y a des petites structures qu'on appelle les mitochondries, je vais vous en parler après, qui utilisent l'oxygène et votre alimentation, en particulier le sucre, et qui sont stimulées par les hormones du cerveau pour produire cette température. Cette température, chimiquement, c'est une énergie qu'on appelle ATP. Alors cette ATP, cette énergie chimique, il faut savoir qu'elle est convertie soit en énergie chimique, votre température, soit en énergie électrique, donc vos neurones, ou en vos muscles, et en énergie mécanique, le fonctionnement de vos muscles. Alors, j'ai fait une diaporama où je ne dis pas les mitochondries, mais je dis elles. Elles, en parlant des mitochondries, en fait, elles sont des centaines dans chacune de nos cellules, sauf les globules rouges. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Elles possèdent leur propre ADN. Votre corps, il est autour de 37 degrés. Les mitochondries, elles sont autour de 50 degrés à l'intérieur de vos cellules. Elles ont à peu près 1,5 milliard d'années jusqu'à 2 milliards d'années et elles auraient une origine qui proviendrait d'une bactérie. Alors ces mitochondries, on ne les comprend pas toutes. Elles sont mystérieuses, capricieuses, destructrices et protectrices à la fois. Ces mitochondries, elles sont microscopiques. Elles font 1 millième de millimètre en taille. Donc c'est vraiment minuscule. Et ces mitochondries, elles ont besoin d'oxygène que vous respirez, donc c'est pour ça qu'on respire, c'est pour alimenter les mitochondries. Les mitochondries, c'est votre fournisseur d'énergie et c'est votre radiateur. Elles font tout à la fois et elles sont contrôlées par le cerveau. Alors, il faut savoir qu'elles ont besoin de l'oxygène et du sucre. Le sucre apporté par le gras ou par votre alimentation sucrée. Maintenant, ne vous dites pas, il faut que je mange plus ou moins de sucre. Il faut savoir qu'en France et dans le monde, on consomme deux fois trop de sucre par rapport à ce qu'on devrait consommer. On consomme trois fois trop de sel et au moins deux à trois fois trop de gras. Donc, il ne faut pas trop les alimenter. Pourquoi ? Parce qu'elles produisent notre énergie de tous les jours. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, elles produisent... Alors, c'est une grosse centrale énergétique. Elles ne produisent pas de déchets. Tout ce qui est produit est utilisé par la cellule, mais elles produisent ce qu'on appelle les oxydants. Vous savez, on vous dit, oh, je stresse... Il faut que je prenne des antioxydants. Et bien en fait, quand on dit qu'il faut prendre des antioxydants, c'est pour diminuer la production de ces oxydants produits par les mitochondries. Alors nous, chimiquement, on les appelle les espèces réactives du stress. Je n'ai pas le temps de vous le développer,
Mais plus vous avez une alimentation déséquilibrée, trop grasse, trop sucrée, plus vous allez mal produire l'énergie, plus vous allez produire ces oxydants. C'est pour ça que les problèmes d'obésité et de surpoids sont un vrai problème au niveau du métabolisme et qui sont une cause en particulier de maladies, dont les cancers. Alors, les mitochondries, il faut savoir qu'elles ont une origine ancestrale. Quand je dis ancestrale, elles ont à peu près 2 milliards d'années. Alors, pour vous faire un résumé, la planète, elle a à peu près 4,5 milliards d'années. La première cellule qui est ancêtre de toutes les cellules vivantes, de toutes les cellules vivantes sur Terre, elle a à peu près 4 milliards d'années. Elle a un petit nom, elle s'appelle Lucas. Il existait en même temps les bactéries, des bactéries qui déjà utilisaient l'oxygène, on appelle ça les protéobactéries, et des bactéries qui utilisaient la lumière, on appelle ça les cyanobactéries. Il faut savoir que la première cellule intègre avec un noyau, avec de l'ADN, elle est apparue à peu près à 2 milliards d'années. Et juste après, il s'est produit une infection de cette cellule avec un noyau par une bactérie qui respirait de l'oxygène. On appelle ça une alpha-protéobactérie. Et cette bactérie est restée dans la cellule et elle est devenue ce qu'on appelle maintenant les mitochondries. Donc les mitochondries, ce sont des anciennes bactéries dans notre corps. Chez les plantes, il y a eu en plus une deuxième infection qu'on appelle, aussi la endosymbiose, qui est à l'origine de ce que vous voyez de vert dans les feuilles. On appelle ça les chloroplastes. Les chloroplastes ont une origine bactérienne. C'est grâce à des bactéries qu'on utilise l'oxygène qu'on respire pour faire notre énergie. Sans ces bactéries-là, l'humanité ne serait pas née. Et même beaucoup d'animaux, et même en fait quasiment la totalité des animaux et des organismes vivants, excepté les bactéries et les virus. Alors, il faut savoir que les biologistes ont beaucoup travaillé sur les mitochondries. Les mitochondries ont commencé à être aperçues dans des cellules en 1840 et précisées par des biologistes allemands, des pathologistes allemands, microbiologistes. Il y a Richard Altman et Karl Benda. C'était en 1890-1898. Ce sont eux qui ont observé pour la première fois dans une cellule les mitochondries. Au départ, ils appelaient ça les bioblastes. Ça bougeait dans les cellules, il y en avait des centaines. À quoi ça sert, on ne sait pas. Il y a eu de nombreuses recherches dans le monde sur les mitochondries. Il faut savoir que les recherches sur les mitochondries ont été également particulièrement très actives en France. Et en France, en particulier dans plein de laboratoires, et en particulier à Gif-sur-Yvette, à Paris, à côté de Paris. Et en particulier grâce aux travaux de Boris Efrussi. Boris Efrussi, dans les années 46, il travaillait sur la levure. Alors la fameuse levure qui donne le pain, le vin et la bière. On l'appelle Saccharomyces cerevisiae ou on l'appelle dans les magasins la levure de boulanger. En étudiant ces levures, il s'est aperçu que les levures pouvaient être toutes petites, très grosses, elles poussaient dans des boîtes de manière étrange par moment, elles étaient parfois malades, et en fait, ils se sont aperçus que ces levures contenaient aussi ce qu'on appelle des mitochondries. Et en étudiant ces levures, Boris Efrussi est rentré dans le domaine des mitochondries en 1946. Il a eu, par exemple, un élève qui est resté à Gif-sur-Yvette, qui s'appelle Piotr Slonimski, très connu en sciences, c'était un généticien, qui a beaucoup étudié les levures, les mitochondries, les lois de la génétique. Donc, ce sont des pionniers en génétique dans le monde. Il faut savoir que Piotr Slonimski a eu... dans son jeune laboratoire à Gif-sur-Yvette, un jeune étudiant qui s'appelle Bernard Dujon, qui est devenu professeur, membre de l'Académie des sciences, qui a par la suite monté son propre laboratoire à l'Institut Pasteur. Je profite de parler de l'Institut Pasteur pour que n'oubliez pas, cette semaine, il y a le Pasteurdon. Donc pensez à l'Institut Pasteur et le Pasteurdon. Même si je ne suis plus à l'Institut Pasteur. Pensez à l'Institut Pasteur. Bernard Dujon a eu un labo qui a duré à peu près une trentaine d'années à l'Institut Pasteur sur les levures, sur les mitochondries et sur la génétique des mitochondries. Et il faut savoir qu'il est très connu parce que quand il était chez Piotr Slonimski et ensuite à l'Institut Pasteur, Bernard Dujon est le découvreur de ce qu'on appelle le premier ciseau moléculaire. Le premier ciseau moléculaire, ça ne vous parle peut-être pas, mais si je vous dis thérapie génique, modification des génomes, c'est à partir de ces enzymes-là que maintenant on fait de la thérapie génique. On appelle ça les méganucléases. Alors maintenant, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui est aussi des ciseaux moléculaires, qui vient des bactéries, mais la première découverte vient de Bernard Dujon et son laboratoire, et en particulier d'un étudiant qu'il a eu, qui s'appelle André Choulika. André Choulika ne vous parle peut-être pas, mais dans le monde des biotechnologies, des entreprises pharmaceutiques, il a créé une boîte qui s'appelle Cellectis. Cellectis, c'est une boîte qui est cotée en bourse, qui fait la thérapie génique dans le monde, qui cherche maintenant à traiter des humains par la thérapie génique, c'est-à-dire enlever un gène, le modifier, empêcher une mutation et le réparer. Alors, il faut savoir que Bernard Dujon, dans son laboratoire, il a eu de nombreux chercheurs et chercheuses, y compris, il a eu plusieurs groupes, des groupes qui travaillaient sur la levure, des groupes qui travaillaient sur la génétique, des groupes qui travaillaient sur les mitochondries.
Et il a eu un groupe qui maintenant est toujours à l'Institut Pasteur, même si le laboratoire Bernard Dujon a été fermé parce que Bernard Dujon est parti à la retraite en 2016. C'est le groupe de Myriam Rickety. Et il se trouve qu'en 2007, j'ai été accueilli dans le groupe de Myriam Rickety au sein de l'unité de Bernard Dujon. Donc je suis un peu, je ne vais pas dire que je suis la relève de Bernard Dujon sur les mitochondries, mais je suis celui qui a pris en fait le relais sur les mitochondries à la suite de Bernard Dujon, parce que la majorité des gens de son labo maintenant font plutôt de la levure et plutôt de la génétique qui dépasse les mitochondries. Donc j'ai à cœur des mitochondries parce que j'ai été dans le groupe de Myriam Rickety et dans le groupe de Bernard Dujon à l'Institut Pasteur. C'est à cause d'eux que maintenant je suis infecté par ces mitochondries et par le travail sur les mitochondries. Je vous interromps du coup peut-être. On a déjà deux premières questions en ligne. La première, c'est de savoir comment on fait pour mesurer la température d'une mitochondrie. Vous nous avez dit qu'elle était à 50 degrés. Oui. Donc on aimerait bien savoir comment on peut mesurer cette température. Et la deuxième, c'est de savoir si on ne se dépense pas assez, est-ce que les mitochondries sont capables de s'adapter et de produire moins d'énergie ? Alors, pour la température des mitochondries, c'est un laboratoire italien et un laboratoire français qui ont travaillé. Alors, je crois que ça a donné plusieurs publications. Alors, ils n'ont pas mis un thermomètre dans les mitochondries. Il n'y a pas de thermomètre qui rentre dans les mitochondries, ni qui rentre dans les cellules. Mais par contre, la température, on est capable de la mesurer par des rayonnements. Je vous ai expliqué les infrarouges. Donc, je ne connais pas exactement la technologie utilisée pour déterminer cette température, mais c'est lié à la détection des ondes électromagnétiques produites par les mitochondries. Les rayonnements, y compris rouge, proche infrarouge et infrarouge. C'est comme ça qu'il y a une... C'est une estimation. Hein. 50 degrés à la louche, c'est peut-être plus ou moins 2-3 degrés. Ça ne veut pas dire qu'elles vont monter votre température à 50 degrés. Si les mitochondries montent notre température du corps à 50 degrés, on est mort et elles aussi. Ensuite, si on fait moins de sport, moins d'activité physique, est-ce que nos mitochondries vont moins travailler ? Oui. En fait, elles vont, si nous, on s'assoit sur le canapé, entre guillemets, les mitochondries vont également se reposer, s'asseoir sur leur canapé. Donc, elles vont moins travailler. Et c'est un problème parce qu'elles vont, du coup, je vous ai dit, elles produisent de l'énergie, de l'ATP, l'énergie chimique qui fonctionne pour les muscles, pour la température, par exemple, mais elles produisent des oxydants. Et quand elles se reposent sur le canapé, elles se mettent à produire plus d'oxydants que cette énergie chimique. Donc, on va faire plus de stress. C'est pour ça qu'on dit que la vie sédentaire va nous faire accumuler du stress. Alors, le stress, on ne le sent pas. Il faut 10 ans pour sentir, ou 10 ou 20 ans. Malheureusement, quand on arrive à le sentir, on fait minimum de l'inflammation et on peut dériver vers cancer et maintenant probablement vers maladie neurodégénérative. Je vais vous en parler à la fin. Alors, comme je vous disais, j'étais dans le laboratoire de Bernard Dujon pendant près de 10 ans, dans le groupe de Myriam Rickety, au sein de l'unité de Bernard Dujon. Donc, on a beaucoup travaillé sur les mitochondries, dans les levures et puis dans d'autres organismes. Et là, par exemple, je vous ai mis une photo où c'est le départ à la retraite de Bernard Dujon en 2016. Et on me voit tout à fait à gauche de la photo. Je vous ai mis mon nom pour montrer que j'étais là pour le départ de Bernard Dujon. Et je suis un peu la mitochondrie qui est sur le bord du chemin qui attend. Quand j'étais dans le groupe de Bernard et puis de Myriam Rickety aussi, on a beaucoup travaillé sur les levures parce que c'est historique, Bernard Dujon. C'est beaucoup intéressé aux levures et par exemple les levures qu'on récupère dans les tonneaux de vin, les levures qu'on récupère dans la nature, parce que les levures ce sont des hybrides génétiques, c'est-à-dire qu'elles évoluent sans arrêt. Tous les jours elles évoluent au niveau du patrimoine génétique et certaines vont devenir dangereuses, pathogènes, ce sont des champignons, et certaines vont devenir bénéfiques. On a des tonnes de levures qui vivent dans notre estomac, qui sont ce qu'on appelle pour partie notre microbiote intestinal. Celles-là sont bonnes. La levure de boulanger, on la surveille aussi pour savoir si elle continue à faire du pain, du vin et de la bière ou si elle ne va pas arrêter de faire du pain, du vin et de la bière. Un jour, elle pourrait. Et il se trouve que le vin, ben, l'alcool, c'est un stress. Et ben, les levures dans cet alcool, elles stressent et elles évoluent, voire tendance à faire améliorer le vin. Alors là, par exemple, sur cette photo, c'était une publication que j'ai faite en 2014 avec Bernard Dujon et Myriam Rickety, dans lequel, en vert, tout ce que vous voyez en vert dans ces petites levures, ce sont les mitochondries. C'était pour montrer que les mitochondries sont vraiment partout, y compris dans les levures. Alors, le panneau d'en haut, ce sont des levures qui ne sont pas pathogènes. Ce sont, entre guillemets, des gentilles levures qu'on trouve dans la nature, dont celle que j'ai entourée, Saccharomyces cerevisiae, la levure de boulanger. Le panneau du milieu, vous avez une levure qui n'est pas du tout gentille. Elle provoque 700 000 cas d'infection dans le monde et un certain nombre de morts dans le monde. C'est ce qu'on appelle la candidose. Et alors, la levure qui est aussi ultra dangereuse, c'est un champignon. Alors, c'est en particulier si vous allez en Inde, vous baignez dans le Gange, si je ne dis pas de bêtises, vous buvez la tasse de cette petite levure. Elle va rentrer dans vos poumons et elle va faire une infection fongique qu'on appelle aspergillose. Aspergillose, c'est 3 millions de cas de personnes dans le monde. Et alors, je ne pourrais pas vous dire le nombre de morts, mais c'est plusieurs centaines de milliers de morts par an dans le monde.
Il faut savoir que les mitochondries, je vous ai dit qu'elles avaient leur propre ADN. Ce sont des bactéries, les bactéries ont leur propre ADN. Et bien dans la cellule, en dehors de notre propre patrimoine génétique, le noyau cellulaire, les mitochondries ont leur propre ADN. Et ça a toujours intrigué pourquoi elles le conservent, pourquoi elles n'ont pas transféré leur ADN au noyau et elles l'ont délégué. Et en fait, elles ne le délèguent pas et au contraire, elles sont autorisées à le garder par le noyau. La cellule les autorise. Donc on pense que c'est un peu un pacte entre la cellule, la première cellule qui a été infectée, et cette mitochondrie. Pourquoi pacte ? Parce que la mitochondrie, la cellule, la première cellule lui a donné beaucoup de pouvoir. Les mitochondries ont le pouvoir de vie ou de mort sur les cellules. Ce sont elles qui déclenchent la mort de nos cellules et éventuellement la mort de nos organes. Elles sont suicidaires, elles meurent avec. Et quand je suis arrivé dans le groupe de Maria Ricchetti, en fait, on s'est attaché à étudier cet ADN mitochondrial. Alors, il y a beaucoup d'études dans le monde. Et on savait depuis les années 90-99, y compris par Bernard Dujon et le groupe de Maria Ricchetti, que les mitochondries sont capables d'envoyer des petits morceaux d'ADN dans le noyau, dans le patrimoine génétique. On s'est dit pourquoi elles affectent leur ADN mitochondrial dans notre propre noyau. Quand j'étais postdoctorant, j'ai étudié ce mécanisme. Alors ces ADN, on appelle ça les NUMT, les Nuclear Mitochondrial DNA. Et ce qu'on a démontré chez la petite, notre copine préférée, la levure de boulanger, d'ailleurs quand on la faisait en culture dans le laboratoire, ça sentait pas le vin, ça sentait plutôt la bière, entre la bière et le pain. C'était très agréable. On était sûr que les levures étaient en bonne santé. On s'est aperçu que ces levures-là, en fait, ces mitochondries dans ces levures, transféraient des petits morceaux d'ADN dans notre noyau, quand notre noyau était sous stress, était oxydé. Et on le savait, mais ce qu'on a démontré, c'est que les gens disaient bah, « cet ADN, c'est de l'ADN poubelle ». On pense qu'on a de l'ADN poubelle au milieu de notre ADN, qui ne sert à rien. Eh bien non, ces mitochondries ont un ADN qui, en fait, aide le patrimoine génétique à se recopier. Il faut savoir que notre ADN est photocopié tous les jours par des petites imprimantes qui sont distribuées tout le long de notre patrimoine génétique. C'est normal, c'est pour préserver notre patrimoine génétique et notre santé. Eh bien, on s'est aperçu que ces mitochondries, ces petits morceaux d'ADN mitochondriaux, deviennent eux-mêmes des petites photocopieuses. On appelle ça des origines de réplication dans le noyau. Donc on pense que ces mitochondries ont un impact majeur éventuellement sur notre santé qui pourrait même aller jusqu'au cancer. Alors je vous ai dit, toutes nos cellules et toutes les cellules vivantes ont des mitochondries sur Terre. Ce n'est pas exactement vrai. Il faut savoir qu'on a 30 000 milliards de cellules qui vivent dans notre corps, cellules humaines. Il faut savoir qu'on a aussi 30 000 milliards de bactéries non humaines. 380 000 milliards de virus, je ne vais pas vous faire peur, mais on est minoritaire en humain par rapport aux bactéries et aux virus, et je ne vous compte même pas les levures et les champignons. Il faut savoir que sur nos cellules humaines, sur nos 30 000 milliards, il y a 80% de nos cellules, ce sont des globules rouges. Les globules rouges, c'est ce qui est dans notre sang, c'est ce qui est rouge quand on se coupe. Et bien les globules rouges servent à quoi ? À transporter l'oxygène à travers notre cœur, à tous les organes, pour alimenter l'oxygène dans les cellules, pour apporter l'oxygène à notre fournisseur d'énergie et notre radiateur, les mitochondries. Eh bien, si vous mettez des mitochondries dans les globules rouges, qu'est-ce qu'elles vont faire pendant que le globule rouge vient de prendre l'oxygène qu'on respire ? Elles vont le consommer avant d'arriver aux organes. Et donc, du coup, on ne respire pas, on est mort. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mitochondries dans les globules rouges. Sinon, c'est un peu mettre un briquet à disposition dans une poudrière. Il y a juste à appuyer sur le bouton et tout explose. Après, vous avez alors des organismes vivants qui peuvent avoir jusqu'à une mitochondrie. Les levures, elles ont entre 2 et 30. Vous avez des cellules humaines qui en ont autour de plusieurs centaines en moyenne, mais ça peut aller jusqu'à 1000, 2000, 3000. Les cellules de votre foie, par exemple, qui est très métabolique, qui utilise votre sucre, a à peu près 2000 mitochondries par cellule. Et alors, le top du top, c'est l'ovule. L'ovule de madame, c'est 100 000 mitochondries à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que ce sont ces mitochondries-là qui vont participer à faire la fécondation, et donc l'embryon. Et donc le bébé. Et ce sont ces mitochondria qui permettent la naissance, qui aident à porter l'énergie pour la naissance d'un bébé. On doit comprendre du coup que en fait, toutes les mitochondries dont on dispose nous en fait, viennent de notre mère. Je vais vous l'expliquer juste après, mais effectivement, en fait, c'est un peu l'égalité homme-femme n'existe pas dans la nature. Et bien en fait, les mitochondries ne sont que maternelles. Elles ne sont pas paternelles. Alors après, on peut parler de sport. Il y a trois types de sportifs. Moi, je suis sportif du milieu. C'est-à-dire, je fais la balade de mon chien tous les jours. Et je m'arrête à ça. Donc, je suis sportif intermédiaire. Comme beaucoup de personnes, on est sportif intermédiaire. Donc, ce qu'on appelle au milieu le type 2 sportif intermédiaire. En fait, nos muscles ont deux types de fibres. Les fibres musculaires. Elles ont des fibres blanches et des fibres rouges. Ce qu'on appelle les marathoniens, ceux qui vont courir des heures et des heures sans jamais se fatiguer, sans avoir de crampes, ils ont beaucoup
de fibres rouges. Les fibres rouges, ce sont celles qui sont plus gorgées en sang que les fibres blanches. Et ce sont celles qui ont plus de mitochondries. Donc si vous êtes un marathonien, vous avez beaucoup de mitochondries dans vos muscles. Si vous êtes à l'inverse un sprinter comme Usain Bolt, même s'il est plus sprinter, actuellement je crois qu'il a arrêté, mais si vous êtes un sprinter, vous êtes plutôt fibre blanche, c'est-à-dire que vous avez besoin de beaucoup d'énergie très rapidement pour 2 minutes, et après c'est la crise. Vous tombez par terre, vous faites une syncope ou vous avez des crampes. Eh bien, en fait, c'est parce que vos mitochondries, elles ne fonctionnent pas là-dedans. Vos mitochondries, c'est votre énergie de fournisseur principal. Évidemment, si jamais elle tombe en panne, si jamais il y a une coupure de courant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il y a une batterie chimique qui ne fonctionne que temporairement, sauf chez les sprinteurs. Et c'est certaines maladies. On appelle ça la glycolyse. La glycolyse, c'est un gros problème qu'on retrouve dans les cancers, dans les inflammations. C'est ce qui prend le relais des mitochondries. Eh bien, cette glycolyse, elle fonctionne beaucoup chez les sprinteurs. Ça apporte une énergie fulgurante, prodigieuse, mais seulement pour 2, 3, 5 minutes. Ensuite, ça provoque beaucoup d'acidité, beaucoup d'acide lactique. Et l'acidité, c'est ce qui fait qu'on a des crampes, c'est ce qui fait qu'on a mal au muscle, c'est ce qui fait qu'on est essoufflé. C'est aussi pour ça que vous avez certains sportifs, par exemple certains cyclistes, qui adorent prendre certaines molécules qui favorise le transport d'oxygène dans le sang. Il y en a une qui s'appelle EPO, par exemple. Alors, elle n'est plus à la mode, il y a d'autres produits moins détectables. Mais l'EPO, ça transporte juste plus d'oxygène, ça fait plus de globules rouges dans le sang. Et donc, plus les mitochondries sont plus oxygénées. On a des petites questions. Est-ce que je peux vous interrompre? Allez-y. 2 minutes, on va juste revenir sur cette question de l'ADN. On a Adrien qui nous demande quel est l'intérêt ou quel est l'impact lorsque les fragments d'ADN intègrent les noyaux des cellules. Eh bien, nous, par exemple, on a démontré que ça devenait des petites photocopieuses pour répliquer le noyau. On va se dire, c'est génial, mais maintenant, je n'ai pas continué mes travaux dessus, d'autres travaillent dessus, mais on se dit, peut-être qu'avoir trop de photocopieuses dans notre noyau, peut-être c'est mauvais, peut-être c'est dangereux, peut-être ça réplique trop notre noyau, ça pourrait faire des erreurs. On pourrait avoir trop de photocopieuses stressées qui font des erreurs. Et donc, en gros, les recherches s'orientent vers le potentiel de ce type de fragments d'ADN jusqu'au cancer. Alors, pas d'affolement chez les humains, ou en tout cas les humains et tout ce qui était avant nous, avant les humains, les lignées des singes et des grands gorilles, par exemple. Il faut savoir qu'il y a une intégration d'ADN mitochondrial tous les 100 000 ans. Ça ne va pas se produire aujourd'hui. Mais plus on stresse, plus on augmente cette probabilité. Nous, par exemple, en laboratoire, moi, à l'échelle de 2-3 ans, chez la levure, on le voyait, ce phénomène. On le faisait en une heure de temps en créant un stress. Donc, si on stresse beaucoup, il y a le potentiel de provoquer cette intégration d'ADN. Ok. Et donc, du coup, on a une question d'Élise, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard, de savoir si, en fait, si les mitochondries ont un lien avec la mort des cellules. Est-ce que, dans le cas d'un cancer, les mitochondries joueraient moins ce rôle? Eh bien, vous avez tout à fait raison, et vous pourriez même être biologiste spécialiste des cancers et éventuellement participer à trouver le remède contre les cancers, parce qu'en fait, c'est vers là que toutes les études des cancers vont, en dehors des nouvelles techniques de radiothérapie, chimiothérapie, anticancer. Au niveau mécanisme moléculaire dans les cellules, on sait en fait que dans les cancers, les mitochondries sont littéralement endormies. C'est un peu la belle au bois dormant. Et donc, ce qu'on n'arrive pas à faire pour l'instant, c'est les réveiller. Parce que si on réveille les mitochondries, on arrive en laboratoire à les réveiller avec des molécules chimiques, quand elles se réveillent, les cellules meurent, les cellules cancéreuses meurent très vite. Donc, toutes les thérapies, certaines thérapies moléculaires, y compris chimiothérapie, vont jusqu'à comment réveiller les mitochondries pour tuer les cancers. Et effectivement, les cellules cancéreuses ont trouvé l'astuce. Eh bien, quand on veut ne pas mourir, on bloque le décideur de la mort. Le décideur de la mort, ce sont les mitochondries. Donc, on les bloque. Merci. Alors, je vous ai dit, il y a beaucoup de cellules, sauf nos globules rouges, qui ont des mitochondries. Et il y a des scientifiques qui se posent encore la question, est-ce que sur Terre, il existe quand même des cellules en dehors des globules rouges qui n'ont pas de mitochondries? Est-ce que ça existe? Eh bien, la réalité, c'est oui. Et ce sont des publics qui sortent de 2016 et 2020. Il n'y a que 2 organismes vivants. Ce sont des microbes, des parasites eucaryotes. Alors, il y a un microbe du chinchilla. Si vous allez acheter un chinchilla, il y a des chances qu'il ait ce parasite. Vous ne l'aurez pas, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être infecté. Il est résident du chinchilla, mais il n'utilise pas l'oxygène, il n'utilise pas les mitochondries. Et puis, vous avez un parasite du saumon.
Il a un nom bizarre, Mixozoa Eneguia, sorti en 2020. On le trouve quand on, dans le saumon, même le saumon que vous allez manger. Bon, vous cuisez votre saumon, ça devrait aller. Et puis même si vous le faites, si vous aimez la nourriture crue, le poisson cru, vous inquiétez pas, il va vous faire rien du tout. C'est paradis du saumon. Mais il n'utilise pas les mitochondries, ou très très peu. Donc en fait, maintenant les scientifiques se disent, mais comment ils font pour respirer? Et en fait, ils ne respirent pas. Ils utilisent des produits chimiques qu'on retrouve aussi dans l'air, du soufre, du carbone, mais pas l'oxygène. Ça, ça intéresse beaucoup parce que ça intrigue par rapport à l'évolution. On s'est dit, mais est-ce que ce sont des cellules qui n'ont jamais été infectées il y a 2 milliards d'années? La réponse est non. Ce sont des cellules qui, au cours du temps, ont des parasites qui ont perdu ces mitochondries parce qu'ils ne les utilisaient pas. Alors, il faut savoir que c'est sorti aussi en 2020. Je vous sors des résultats qui sont sortis presque avant-hier, cette année. On pensait que les mitochondries étaient toujours résidentes de nos cellules. Elles vivaient dans nos cellules, jamais en dehors de nos cellules. Et bien, en fait, il a été découvert des mitochondries intactes dans notre sang, circulantes. On ne sait pas ce qu'elles sont, on ne sait pas ce qu'elles font. Et en fait, on sait qu'on en a par millilitre de sang entre 200 000 et 3 millions. Ce qui veut dire qu'on a des milliards de mitochondries qui circulent dans notre sang et qui vont dans tous nos organes. Et si elles sont capables d'utiliser l'oxygène qui est directement dans le sang, elles sont capables de produire directement de l'énergie. Peut-être c'est utile au système immunitaire. Elles sont aussi capables de produire du stress. Peut-être que ça a un impact très important sur les inflammations. Maintenant, vous savez, l'étude est sortie en 2020. Donc les questions vont durer encore 10 ans dessus. Mais ça a ouvert tout un champ d'études dessus. Donc notre sang contient des milliards de mitochondries dont on ne sait pas leur fonction. Juste, qu'est-ce que vous entendez par intact ? Intact, c'est-à-dire qu'en plus, les gens au départ pensaient que ces mitochondries étaient c'était des morceaux, des fragments, des cellules qui étaient mortes, qui avaient explosé, qui avaient libéré. Et en fait, non, elles sont vivantes. Elles sont vivantes. Elles utilisent l'oxygène, les nutriments, elles font de l'ATP, elles le libèrent, elles font des oxydants. En plus, les mitochondries, c'est un gros site de stockage du calcium. Donc en plus, ça se trouve, elles bloquent le calcium ou elles stockent le calcium dans le sang. Donc vous voyez toutes les fonctions ouvertes sur les mitochondries, c'est assez gigantesque. Alors il y a des centaines de laboratoires dans le monde qui travaillent dessus. Une mitochondrie, après on pourrait se dire, il y en a qui se sont posé la question, combien de temps ça vit une mitochondrie? C'est tout petit. En fait, ça vit en moyenne 14 jours dans une cellule. C'est très long, 2 semaines. Après, il y a des cellules chez qui elles vivent 8 jours et d'autres 23 jours. Dans notre sang, on les a à peine découvertes, donc on ne sait même pas le temps de survie dans le sang, mais ça peut être plusieurs heures à plusieurs jours. Et puis, il faut savoir qu'actuellement, quand on se balade, on respire de l'air naturellement. Notre atmosphère est chargée à peu près de 21% d'oxygène. C'est normal. Il faut savoir que quand l'air rentre dans votre trachée, on est à peu près à un peu moins de 20% déjà. On a une petite départition d'oxygène. Quand ça arrive dans votre poumon, vos poumons ne reçoivent pas 21% d'oxygène, sinon vos poumons explosent, ils sont oxydés. C'est plutôt 14-15% d'oxygène. Et puis, dans vos artères, c'est là que vos globules rouges sont chargés d'oxygène, passent par le cœur et sont alimentés tous les organes, on est à 13% d'oxygène. Les veines, qui, elles, récupèrent les globules rouges qui ont libéré l'oxygène, elles sont à 5% d'oxygène. Une cellule, en moyenne, dans le corps humain, sur vos 20% que vous respirez, ne récolte que 2%. Donc, vous voyez, si vous respirez mal vos 20%, vos cellules, elles vont passer de 2% à 1%, elles vont suffoquer. Et vos mitochondries, elles, en plus, elles n'ont que 1% d'oxygène. Donc, il y a une vraie problématique en termes d'oxygène. Et si je vous dis ça, c'est aussi parce qu'il y a une problématique. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais vous devez savoir que le plus gros producteur d'oxygène dans l'atmosphère, ce ne sont pas les forêts. 80% de l'oxygène est produit par le phytoplancton dans les océans. Et actuellement, le dérèglement climatique est en train de tuer le phytoplancton. Donc on sait que les océans sont en train de se désoxygéner. Donc on sait que d'ici un certain nombre d'années, on va avoir une baisse du taux d'oxygène dans notre atmosphère. Et donc, on va être impacté sur notre respiration et sur notre santé. Donc si on ne prend pas soin de nos océans, c'est à la fin nous qui allons payer le prix fort. Les mitochondries, il faut savoir qu'elles ont différentes formes. Ce sont des petites boules. On pourrait les voir un peu comme des petites olives. Mais en fait, soit elles sont très coordonnées entre elles, elles fusionnent. Elles forment ce qu'on appelle des réseaux tubulaires. Ou soit elles sont fragmentées, elles s'individualisent, elles deviennent individuelles. Quand en général elles sont tubulaires, c'est qu'elles produisent beaucoup d'énergie dans la cellule. Quand elles sont fragmentées, c'est qu'elles sont stressées, qu'elles ne vont pas très bien. C'est un signe de stress. Ça, c'est des photos que j'ai prises quand j'étais à l'Institut Pasteur, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Je vous ai dit que les mitochondries ont de l'ADN. Alors on pensait que, vous voyez par exemple ici, c'est une cellule de cancer. En vert, vous voyez tout le réseau mitochondrial, il est entièrement en vert. On pensait que l'ADN était présent dans tout ce réseau en vert, dispersé partout.
Eh bien, dans mon laboratoire, on a démontré en 2013, 2015 et 2016 que en fait, l'ADN n'est pas distribué n'importe comment dans les cellules, il n'est pas dans les mitochondries, il n'est pas dans tout le réseau, il est à certains endroits. Alors pourquoi? On ne sait pas. Ça veut dire qu'il y a des mitochondries qui fonctionnent plus que d'autres, des mitochondries qui sont plus efficaces. Et on sait que cette dynamique de l'ADN dans les mitochondries change en fonction du stress, de l'inflammation et même des cancers. Donc ça, c'est cet outil que vous voyez là, en fait, on l'a breveté comme un nouvel outil biotechnologique pour détecter la dynamique de l'ADN, on peut l'imager dans vos cellules et éventuellement même pourrait prédire dans le futur quelles sont les cellules qui ont tendance à devenir cancéreuses. Alors on parlait tout à l'heure de la transmission maternelle des mitochondries. Et effectivement, il a été démontré en 1980 par le laboratoire du professeur Douglas Wallace, que je connais par ailleurs parce que je participe au congrès mondial des mitochondries tous les ans à Berlin, sauf cette année pour cause d'un certain microbe. Douglas Wallace, je le rencontre de temps en temps à ce congrès. Il vient encore discuter avec des jeunes en plus. C'est un gros découvreur, un gros spécialiste, un gros pionnier. C'est un demi-dieu dans le monde des mitochondries, clairement. Mais il ne se prend pas pour un demi-dieu. Il n'a jamais eu le prix Nobel en plus. Moi, je pense qu'il pourrait l'avoir, mais il n'aura probablement pas. Mais c'est un gros spécialiste des mitochondries. C'est lui qui a démontré que les mitochondries sont transmises par la voie maternelle chez tous les organismes vivants sur Terre. Sauf les bactéries qui n'ont pas de mitochondries ni les virus. Sauf, il a aussi démontré dans son laboratoire qu'il y a un seul organisme réfractaire à ça, c'est le séquoia géant. Le séquoia géant, vous savez, c'est le grand arbre aux États-Unis qui fait des dizaines et des dizaines de mètres ultra larges. Et bien lui, il est rebelle. Transmission paternelle des mitochondries. On ne sait pas pourquoi. Ensuite, et ça c'est un petit clin d'œil au Téléthon, alors j'en profite pour vous dire, n'oubliez pas, au mois de décembre, il y a le Téléthon. Pourquoi? Alors le Téléthon, c'est pour toutes les maladies rares, les maladies handicapantes, les maladies musculaires, et beaucoup de ces maladies sont liées aux mitochondries. Si je vous dis myopathie, souvent ce qui sont mis en avant par le Téléthon, les myopathies c'est une maladie mitochondriale. Ce sont les mitochondries qui ne produisent plus d'énergie, et donc les muscles se figent, et donc les muscles se dégradent, et donc il y a une paralysie. Et alors je vous ai mis, il y a des associations en France et dans le monde comme l'Association contre les maladies mitochondriales et même le Téléthon qui financent les recherches, et heureusement qui financent les recherches des scientifiques sur les maladies mitochondriales, parce que travailler sur les mitochondries ou même travailler en recherche, ça nous coûte une fortune. Un projet, moi je peux faire des projets qui peuvent nous coûter jusqu'à 50 000, 100 000 euros sans être exubérant, rien qu'au kit biologique et au modèle cellulaire, au modèle autre et puis aux pathologies. Donc c'est vraiment très compliqué. Ça prend... Il faut savoir qu'aussi, ne vous dites pas que quand on étudie une maladie, en un an on va vous sortir le remède et on va vous sortir le résultat. En fait, un projet en général, ça prend entre 3 à 5 ans. Et si on trouve une molécule thérapeutique, vous allez même arriver jusqu'à un potentiel. Alors, quand c'est accéléré et que c'est génial et qu'il n'y a pas de médicaments sur des maladies rares, ça peut prendre quelques années. Mais en général, il faut compter 10 ans pour avoir un effet. Donc, c'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que le Téléthon finance des longs projets. C'est pour ça que les organismes de recherche, y compris gouvernementaux, financent des projets qui sont longs. Alors, pour vous donner un exemple, ça c'est vers la fin de mon diaporama. Par exemple, quand j'étais à l'Institut Pasteur, j'ai eu beaucoup de collaborations parce que les mitochondries, ça intéresse beaucoup de monde. Et quand on a montré qu'on était des spécialistes des mitochondries, ça intéressait beaucoup. Et donc, on a collaboré avec l'Institut Cochin et le laboratoire du docteur Daniel Veyman, qui est à la fois CNRS et INSERM. Et Daniel Veyman travaille sur la prééclampsie. La prééclampsie, c'est une maladie de la grossesse. Ça concerne à peu près 10 millions de femmes par an, 500 000 décès par an, en particulier les bébés. C'est la cause principale de naissances prématurées en France et dans le monde, la prééclampsie. La prééclampsie, c'est quoi? C'est de l'hypertension gestationnelle, de l'hypertension artérielle gestationnelle. C'est aussi un problème cardiovasculaire. C'est aussi des anomalies au niveau de ce qu'on appelle la protéinurie. Et les risques à long terme de la prééclampsie, même après la naissance, chez une femme qui a eu la prééclampsie, ce sont des maladies cardiaques, des AVC, en gros des maladies cardiovasculaires et l'hypertension. Jusqu'à maintenant, la prééclampsie, c'est lié à des mutations génétiques dans un gène, donc en particulier qui s'appelle STOX1. Donc il y a beaucoup d'études génétiques sur cette maladie. Et c'est lié aussi aux oxydants, production des oxydants en particulier par les mitochondries. Mais les gens ne sont pas intéressés aux mitochondries, ils sont intéressés à ces oxydants. Et nous, on a été approchés par Cochin en disant, maintenant, il y en a assez. Parce que même s'il y a eu des études sur les oxydants, il n'y a pas eu de médicaments qui est sorti. Des antioxydants ne marchent pas. Donc, il y a un autre problème. Donc, on a étudié les mitochondries et effectivement, on a découvert et mis en évidence qu'il y avait un problème mitochondrial dans la prééclampsie et que ce n'était pas que les oxydants produits par les mitochondries. Alors ça, c'est un mécanisme qu'on a publié en 2014.
Là, j'ai quitté l'Institut Pasteur, mais en fait, on va encore publier, probablement, je l'espère, l'année prochaine. Je ne peux pas vous donner le détail, mais on publie un nouveau mécanisme de prééclampsie avec un nouveau traitement thérapeutique de la prééclampsie lié à la modulation des mitochondries. Mais j'espère que ça marchera, qu'elle sera médiatisée éventuellement. Par exemple, les mitochondries, on a aussi démontré, alors c'était déjà plus ou moins connu, mais on a enfoncé le clou. En collaborant, on a été sollicité par le professeur Fabrice Chrétien à l'Institut Pasteur, un de nos collaborateurs, qui est aussi INSERM, et qui lui travaille beaucoup sur les chocs septiques. Les chocs septiques, c'est 27 à 30 millions de personnes par an dans le monde. On est à peu près à 40 à 50% de mortalité dans le monde. Et 50% des gens qui survivent à un choc septique ont des séquelles neurologiques, des séquelles neuromusculaires sur le long terme. Éventuellement même jusqu'aux maladies neurodégénératives. Eh bien, on a étudié le choc septique et les problèmes musculaires liés au choc septique, parce que quand on a un choc septique, c'est une inflammation, c'est une attaque de bactéries, de beaucoup de bactéries qui circulent dans notre sang, c'est ce qu'on appelle une septicémie, qui vont monter jusqu'au cerveau, jusqu'à tous nos organes, et qui vont entraîner une défaillance de tous nos organes vitaux, y compris le cerveau, y compris les reins, y compris le foie, y compris le cœur et les muscles. Et les muscles, en fait, fondent. Donc on a étudié cette fonte musculaire, et ce qu'on a démontré, c'est que cette fonte musculaire est liée à un gros problème mitochondrial à cause de cette infection bactérienne. Et on a publié avec Fabrice Chrétien, qui a été breveté d'ailleurs, une nouvelle thérapie cellulaire en utilisant des cellules souches qui sont capables de régénérer les muscles et réveiller les mitochondries dans les muscles qui, 4 jours après un choc septique, régénèrent le muscle. Et donc, pour l'instant, ça ne sauve pas totalement du choc septique, mais ce que ça fait, c'est que les muscles reviennent à un état fonctionnel normal, activité normale. Donc on conserve moins de séquelles suite à l'incident. Et exactement. Le but est de traiter les séquelles musculaires. Je vais avoir une autre question. Je pense qu'on a un spécialiste en ligne avec nous sur YouTube. Il nous demande si les cellules tumorales bloquent les mitochondries. Comment arrivent-elles à se développer plus rapidement alors qu'elles bloquent elles-mêmes la chaîne qui produit la plus grosse quantité d'ATP ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, elles sont astucieuses. Elles ont juste réveillé et stimulé à fond la batterie, la petite batterie qu'on appelle la glycolyse. C'est un mécanisme chimique ancestral qui est beaucoup moins efficace que les mitochondries. Une mitochondrie est 30 fois plus efficace que la glycolyse en termes de production d'énergie. Donc nos cellules utilisent les mitochondries. Mais quand les mitochondries ne marchent pas, ou quand elles sont éteintes, c'est la glycolyse qui prend le relais. Et les cellules cancéreuses ont des mutations génétiques, ont des modifications au niveau à l'intérieur de leurs cellules qui vont booster littéralement cette glycolyse. Et en boostant, les glycolyses vont devenir quasiment 100 fois plus efficace que les mitochondries. Elles ont trouvé un système B pour... Elles ont trouvé le système 2 qui marche de manière beaucoup plus efficace. C'est pour ça qu'on a du mal à tuer les cellules cancéreuses à cause de cette foutue glycolyse. Okay. Un autre projet sur lequel j'ai travaillé, c'était mon projet principal, c'était le vieillissement normal et accéléré. Il y a une vieille théorie qu'on appelle la théorie du stress, qui est que le stress serait à l'origine de notre vieillissement. Alors, c'est en partie vrai, c'est en partie faux. En partie vrai parce que oui, plus on stresse, plus on va vieillir. En partie faux parce que beaucoup d'études ont montré qu'on a beau stresser, certaines personnes qui stressent ne vieillissent pas plus vite que d'autres. Même certains centenaires ont stressé dans leur vie et sont devenus centenaires en bonne santé. Donc le stress n'est pas parfait dans cette zone-là. Et pour étudier ça, on n'a pas étudié le vieillissement normal, parce que le vieillissement normal, c'est compliqué. Je n'allais pas engager une étude sur 50 ans, je partirai à la retraite avant le résultat. Je ne pourrais pas publier. Donc on a été sollicité et collaboré avec le professeur Alain Sarrazin. Alain Sarrazin, c'est un spécialiste mondial des maladies du vieillissement accéléré, des maladies du syndrome du vieillissement. Et en particulier, alors, vous pouvez le connaître si je vous dis les enfants de la Lune. Les enfants qui ne peuvent sortir que la nuit à l'éclair de la Lune, eh bien en fait, ils ont un problème de peau qui est lié en particulier au stress et qui est lié en particulier aux mitochondries. Alain Sarrazin est un référent mondial des enfants de la Lune. Il milite pour ces enfants-là. On n'a pas étudié les enfants de la Lune, on a été sur la ligne, mais en fait, on a étudié surtout une autre maladie, un syndrome progéroïde, c'est-à-dire un syndrome de vieillissement. Ce sont des enfants qui vieillissent de 10 ans tous les ans et qui, en général, meurent à l'âge de 10 ans. On a étudié une vingtaine de patients. Il n'y en a que 100 dans le monde. Je peux vous dire qu'on a mobilisé. Alain Sarrazin, surtout, a beaucoup mobilisé. Et on a étudié les cellules de ces patients qui ont bien voulu nous prêter donner leurs cellules de peau. On a étudié le stress et on a démontré que ce n'était pas le stress oxydant dans leurs cellules qui était le problème, c'était les mitochondries. Donc on a positionné maintenant que le vieillissement, il est lié au stress, mais c'est en particulier une maladie mitochondriale. Donc si on mange mal, si on respire mal, eh bien c'est là que vous allez plus vieillir.
Mais pour ces enfants, on a d'ailleurs publié un remède qui peut-être un jour sera en essai clinique chez ces enfants-là. On ne va pas dire qu'on va faire rajeunir les gens, mais on va viser de, thérapeutiquement de soigner ces enfants en vieillissement accéléré. On dit ça parce qu'il faut être prudent, le vieillissement normal n'est qu'un ralenti du vieillissement accéléré. Alors maintenant, les pistes actuelles, c'est que les mitochondries sont probablement responsables de ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives et sont au moins une grosse cause, ou liées en tout cas très fortement à la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez, les pistes, y compris thérapeutiques, vont aller vers les mitochondries. Et ça, même dans mon labo, ça m'intéresse beaucoup. Je ne travaille pas sur la maladie d'Alzheimer, je m'intéresse aux maladies neurodégénératives. Vous avez les cancers, et puis on avait publié avec un laboratoire australien en 2019, d'ailleurs, que les mitochondries étaient... On a trouvé une molécule avec ce laboratoire australien pour réveiller les mitochondries dans les cellules cancéreuses. Et alors il y a eu 39 auteurs, donc je vous dis, c'est une grosse étude internationale, et maintenant il y a des travaux supplémentaires pour essayer de mieux réveiller ces mitochondries. Et puis pour finir, là je développe actuellement un travail, un projet qui s'appelle Mitoxy, que j'ai appelé Mitoxy pour faire un clin d'œil, oxy pour le stress et mito pour mitochondrie, dans mon laboratoire, et qui est soutenu en particulier par la région Normandie, la Fondation de France et le Fonds Ekerman, et qui est justement d'étudier les mitochondries dans le cerveau, et en particulier le manque d'oxygène, les tumeurs cérébrales, qui sont parmi les tumeurs les plus... Alors toutes les tumeurs sont dangereuses, mais les tumeurs les plus délicates à traiter, les plus dangereuses et les plus tueuses. Il faut savoir que, je ne vais pas vous faire peur, mais 20% des patients qui ont des cancers sont prédits pour avoir des métastases cérébrales. Donc, le potentiel de patient derrière est énorme. Souvenez-vous en tout cas que le meilleur conseil pour les mitochondries, c'est manger, bouger, sortez. Mais attention, mangez pas n'importe quoi. En général, on dit manger des fruits et des légumes de saison, équilibrés, pas trop de sucre. Il faudrait manger deux fois moins de sucre qu'on le fait. Il faudrait manger au minimum deux fois moins de sel. Au minimum deux fois moins de gras. Je sais, c'est difficile, mais moi, des fois, j'en abuse dans certains repas. Écoutez, en abuser un peu, c'est bien. Chez amateur de vin, en abuser un peu, c'est bien. Il faut être raisonné, parce qu'au final, ce sont nos mitochondries qui vont le payer. Et si nos mitochondries le payent, c'est notre système immunitaire, c'est notre santé. Et il ne faut pas oublier aussi qu'elles ont le pouvoir de vie ou de mort. Donc, si on les perturbe, elles pourraient nous tuer plus facilement, nous faire vieillir et entraîner des problèmes de calcium. Et ça, c'est le mot de la fin. Donc, je vous remercie pour votre... pour votre attention. Alors tout ça, je l'ai aussi plus ou moins dit dans des conférences et dans des émissions. J'avais été invité plusieurs fois à France Culture, la méthode scientifique, donc pour parler du stress, des mitochondries. Donc si vous tapez mon nom sur Google, vous retrouverez facilement ces conférences. Et puis je continue encore de faire des animations et de la vulgarisation scientifique sur en particulier les mitochondries et le stress. Merci. Merci Laurent. Du coup, je vais juste en profiter pour remercier toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne et qui nous ont posé leurs questions. Je rappelle que vous serez de nouveau ici au Dôme ce soir pour participer au second rendez-vous avec un chercheur. Ce soir, vous nous emmenez dans une découverte de l'infiniment petit avec un collègue physicien, Savithiri Gallego. Et puis, quant à nous, on se retrouve dès 18h30, cette fois-ci en compagnie de Béian Bastin, qui travaille au Grand Accélérateur National d'Ondes Lourdes. Et elle va nous parler de la force du côté obscur de l'univers. Je vous souhaite à tous un bon après-midi. À tout à l'heure, 18h30.